je viens à toi, si j'essaie de rentrer en contact avec toi, c'est une forme d'écriture. Une forme d'écriture. Les hommes qui essaient d'écrire, je crois qu'ils souffrent. J'essaie toujours de faire de l'art, quel que soit le support, papier ou pellicule. Je pourrais dire ça, oui, depuis que je t'ai rencontré. Depuis que j'ai vu ton sourire. Étrange, absent, beau et loin à la fois. Indescriptible presque. Sais-tu que mon grand-père aussi? Pourtant c'était un homme normal. Il essayait de contacter avec son fils qui était mort, dans l'au-delà. Il écrivait. Il posait sa main, tous les soirs, oui. Il posait sa main sur son bureau. Une page vierge. Vierge, comme le ciel, comme l'au-delà. Puis subitement, sa main se mettait à écrire. Son fils lui disait des choses. C'était l'esprit du fils qui passait par la main du père. Puis mon grand-père, paraît-il, il déchirait les lettres. Personne n'a su ce que le fils disait au père. Personne n'a jamais su ce que mon grand-père avait reçu de l'au-delà. La seule chose que mon grand-père a dit à mon père, c'était si, il lui a dit, si je devais renaître, je préfère renaître ignorant. Qu'est-ce que le mot ignorance? Qu'est-ce que le mot ignorance veut dire? Ça fait une année. Une année. Depuis que j'ai croisé. C'est faux de dire ça. Mais c'est presque ça. Depuis que j'ai croisé ton sourire.
le hasard. Est-ce que tu crois qu'on s'est connu quelque part? Ailleurs? Dans un autre monde? Est-ce que j'étais un marin? As-tu été amoureuse d'un marin? Je me vois souvent au marin. Dans ton propre pays. Pourquoi j'ai des nationalités? Pourquoi a-t-il fallu que j'épouse une Russe? Devenir russe pour te rencontrer dans un musée sous la forme d'une photographie. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Certains disent ça. On dit tellement de choses. Dis-moi. De savoir. Est-ce que j'étais amoureux de toi? Est-ce que tu étais amoureuse de moi? Ma chère princesse, dis-moi qui j'étais lorsque je t'ai rencontrée. C'est drôle, je me suis promenée dans ton jardin. Ton jardin. Je ne suis pas devenu fou. À force de penser, on crée des tas de choses. À force de penser, les miracles sont possibles. Alors, les miracles, c'est quoi? C'est de la folie. C'est la force de la pensée. La pensée. Quelle terrible chose. Comme toujours, l'homme désire que l'autre, se mette à son service. Thank you.
J'aimerais tant partager, ne serait-ce que ce verre, avec toi. Tu t'es froid avec du miel. Du miel de Altaï, non loin de la Mongolie. J'aimerais tant partager ça avec toi. Mais comment faire? Tu es si loin. Si loin. Et cela me fait penser à des tas de choses. Ça me fait penser à tous ces êtres qui sont séparés. Qui sont séparés. Les idées des hommes. Je me réjouis de vieillir. Oui, c'est vrai, je me réjouis de vieillir. Je veux dire de devenir très vieux. Pour pouvoir m'approcher de toi. Songe là-haut. Oui, tu vois, il y a tas de choses qui me retiennent ici. Il y a tas de choses qu'il faut que je fasse avant de venir vers toi. J'ai en moi le bien et le mal, la souffrance et la joie, l'ignorance et le savoir. Je suis un être multiple, multiple. Et là-haut, comment ? Qu'il y a une présence autour de moi. Est-il quelqu'un?
D'ange ou ta vie de je ne sais pas quoi. C'est bête de dire ça. Mais quoi dire? Comment dire? Il faut bien que mes tentatives cessent. Comme toujours, l'homme essaye toujours. Communication. Pour pouvoir s'exprimer. Pour être compris. Vois-tu? C'est ça l'homme. C'est un petit garçon. Qui rêve d'être embrassé par sa mère. Ou sa bien-aimée. Qui n'est jamais content. N'est jamais rassasié. Alors quand sa mère ou sa bien-aimée ne lui donne pas satisfaction, il s'en va. Il s'en va. Il quitte. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être éternel.